Bonjour tout le monde. Ah, c'est formidable. Je vois que vous avez trouvé notre lien de dernière minute. Alors, je suis hyper contente. Je vais déjà partager les slides. Alors, est-ce que vous pourriez, pour m'assurer et me rassurer que tout va bien, est-ce que vous pouvez dans le chat me envoyer un petit message pour me dire si vous êtes bien là, si vous entendez ce que je raconte, si vous me voyez, comme ça on peut régler les petites choses si quelque chose ne fonctionne pas. Oh, trop bien, je vois déjà des gens qui disent oui. Super, alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir les slides pour démarrer. Ah, je suis tellement contente que vous soyez là. On a réglé notre petit lien. Et tout d'un coup, je me suis dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais maintenant, tout va bien. Alors, on ne va pas très bien, mais on est deux aujourd'hui. Bonjour. Et puis, je vois que les gens arrivent gentiment encore. Donc, peut-être qu'on va démarrer très tranquillement où je vais vous présenter l'association, enfin le meet-up. Et puis, je vais aussi vous dire un peu comment ça va se passer, comment vous pouvez poser vos questions et tout ça. Et puis après, je vais laisser la place à Karen pour la présentation. Alors, je suis hyper contente de vous avoir ici ce soir. Le meet-up, normalement, on le fait, d'habitude, on le fait en personne. Mais finalement, j'ai tellement repoussé avec le Covid au mois de mars, février, mars. Et puis, on pensait tout le temps que ça changerait, qu'on pourrait se voir en personne sans problème. Et finalement, j'ai décidé de passer en mode webinaire. Donc, ça est la premier webinaire du Content Strategy. Et l'objectif du groupe, au cas où vous ne me connaissez pas encore, c'est de partager des connaissances. Donc, en général, j'invite des orateurs et des oratrices pour qu'ils parlent d'un sujet qui est lié de près ou de loin à la stratégie de contenu. Aujourd'hui, j'ai invité Karen parce que aux derniers événements, j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et vraiment c'est pas ma spécialité, donc je savais pas répondre à ces questions même si elles étaient très intéressantes, donc je me suis dit que j'allais inviter quelqu'un qui sait de quoi elle parle et qui pourra enfin vous présenter la chose. Et donc aujourd'hui on accueille Karen et en fait ce qu'on va faire c'est que d'abord elle va vous faire la présentation, ça va durer je pense une quarantaine de minutes. Et ensuite, normalement, vous avez une petite, vous pouvez poser des questions. Vous avez soit dans le chat ou alors il y a un truc qui s'appelle, je ne sais plus si c'est Q&A ou Q&R. Je crois que ça dépend en quelle langue vous avez Zoom. Mais en gros, vous avez un endroit où vous pouvez poser vos questions. Donc, vous pouvez faire soit dans le chat, soit dans cet endroit Q&R, aussi dans le courant de la présentation. Et puis après, on va reprendre toutes les questions et puis on va y répondre directement en live. Ça marche? OK. Et je voulais encore, avant qu'on démarre, vous annoncer le prochain événement. Donc, le côté positif du fait qu'on fait des webinaires, c'est qu'on peut inviter des gens qui viennent de plus loin. Et c'est le cas de Gemma, que j'ai rencontré via une communauté dont je fais partie, qui s'appelle Women in Tech SEO. Et Gemma enseigne en Espagne. Elle est spécialiste de ce qu'on appelle les calendriers éditoriaux. Donc, en gros, elle va vous expliquer comment faire un calendrier éditorial pour planifier vos publications au cours de l'année sur la base d'une recherche de mots-clés. Alors, réservez déjà la date. Je me réjouis de vous voir à ce moment-là. Et sinon, je voulais aussi vous annoncer, enfin, si vous ne connaissez pas encore ce groupe qui est plutôt spécialisé dans le SEO et que j'organise avec ma collègue qui s'appelle Sarah.
Donc, c'est le même principe que le groupe Meetup Content Strategy, mais juste un sujet un peu différent. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a aussi un événement qui est planifié spécialement pour les sites web de news et c'est fin octobre. Très bien. Alors, si là, je vois des gens qui me disent que tout va bien, que tout le monde nous entend. Alors, dans le cas où tout d'un coup, il y a un problème au cours de la présentation, n'hésitez pas à dire à l'aide dans le chat et on regardera ça. Et en attendant, moi, je vais juste changer mes slides pour vous partager les slides de Karen pour qu'elle puisse faire sa présentation. Alors, elles sont là. Donc là, et on va faire fichier. Ça part mal. Ah. Et voilà, on a la première slide. Alors, si vous avez des questions et des choses, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on est contents que vous soyez là. Et maintenant, je vais laisser la parole à Karen. Merci, Nadine. Alors, j'ai été invitée par Isaline ce soir pour vous parler de quand, comment et pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour votre entreprise. Alors, comment on fait next? Oui, tu peux faire espace ici. Non. Ah voilà. Ouais. Donc pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Karen Suer, j'ai 27 ans, j'ai fait des études en tant qu'économiste d'entreprise et après en innovation. Et puis à la suite de ça, j'ai cherché du travail et puis j'ai eu la chance de travailler durant 2 ans dans une agence de communication digitale à Lausanne où je m'occupais en fait de réseaux sociaux pour des entreprises. Donc, et depuis, j'ai voulu explorer un peu le marketing plus général et puis j'ai changé d'emploi au début de l'année dernière, de cette année, pardon. Donc, quelques exemples de clients que je gère. J'avais par exemple le CA où on faisait des retours en images sur des choses qui sont passées, donc des archives, des messages de prévention divers sous forme de petites vidéos. On a aussi démarré de A à Z le compte Instagram où on faisait aussi de la prévention, des petits quiz avec des stories à la une comme vous pouvez voir dans cet exemple-là. J'avais aussi Abba Ninja qui est une plateforme de facturation en ligne pour les petites entreprises où là on faisait pas mal de petites illustrations animées comme dans cet exemple. Aussi des petits jeux de mots, vous avez la tête dans le cloud, voilà, vu que c'était quelque chose de la facturation. Ou encore, ben, avec Abba Ninja, sans Abba Ninja, vous avez par exemple l'opportunité ou l'occasion d'aller fêter Halloween. Et puis ça, c'est une chose qui était récurrente plusieurs fois dans l'année, qu'on utilisait comme type de thème. J'étais aussi en charge de Securitas Direct, donc système d'alarme, où là, ben, toujours sur le ton, un petit peu de l'humour, décider qui peut et non qui veut rentrer chez vous avec un chat qui essaie d'ouvrir une porte. On a aussi fait des vidéos, donc avec des vidéastes professionnels, où on imageait justement des systèmes de sécurité qui sont vraiment archaïques et dépassés, voilà, pour dire que notre solution est plus discrète ou plus moderne. Ou des petites choses, voilà, nouveau sur le ton de l'humour, ben, grâce à notre système de sécurité, vous pourrez enfin offrir des vacances à votre belle-mère. Donc, ça dépendait vraiment des clients, on s'adaptait en fait à leurs besoins, à leur business, et puis petit à petit, on apprenait à les connaître, et ce qui nous permettait de, voilà, d'aller sur des points un petit peu plus humoristiques, par exemple. Le plus gros coup, entre guillemets, sur les réseaux sociaux que j'ai eu, c'était pour First Med. Donc, premier secours, on a fait une vidéo avec un médecin sur les voies respiratoires chez le nourrisson, donc obstrué. Et puis, avec cette vidéo, on a eu vraiment beaucoup de likes, comme vous pouvez le voir. On a eu 92 000 partages et 3 millions de vues. Ce qui a eu pour conséquence, en l'espace de 2 mois, on est passé de 700 followers de la page Facebook à 20 000. Et puis, du coup, voilà, sans forcément sponsoriser la publication, donc vraiment tout en organique, ça a été vraiment un record que finalement, bah, c'est aussi ça, la magie des réseaux sociaux, on n'arrive pas toujours à tout expliquer, le pourquoi du comment, mais il y a vraiment eu un grand engouement, ça a été partagé, c'est jusqu'en France,
Donc voilà, un joli, finalement un joli coup, un joli poste qui a bien fonctionné. Donc, quelques petites choses par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc, il y a 7,7 milliards d'individus sur Terre, il y a 7,7 milliards en fait, d'individus sur Terre, et 3,6 milliards utilisent les réseaux sociaux. Donc, si on zoome un petit peu plus sur les réseaux sociaux principaux, on voit que Facebook, au niveau mondial, il y a 2,45 milliards d'utilisateurs et 4,2 en Suisse. Donc, c'est un réseau qui est actuellement peut-être un peu en perte de vitesse auprès des jeunes, mais ça reste quand même un des réseaux, le réseau en fait principal, qui permet d'ailleurs aussi de faire tout ce qui est campagne publicitaire, et je vous en parlerai après. Instagram qui a vraiment monté ces dernières années, où aussi beaucoup d'utilisateurs de plus en plus, donc qui est vraiment pour partager tout ce qui est photos inspirantes, des stories, très utilisé par les jeunes. On a Twitter qui est plutôt un réseau politique, je dirais, en Suisse pas beaucoup utilisé ou peu, disons. Personnellement, je l'utilisais moins, voilà, c'est moins commun chez nous. Et puis LinkedIn, réseau professionnel qui est aussi de plus en plus utilisé par les entreprises et aussi finalement par les gens qui ont leur profil. Donc, c'est intéressant de pouvoir mêler ces deux choses parce que finalement, vos collaborateurs sont vos meilleurs vecteurs de communication aussi s'ils communiquent, s'ils partagent les informations. Alors du coup, avec cette montée en puissance des réseaux sociaux, depuis quelques années, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des community managers avec une bonne maîtrise des réseaux sociaux, parfaite maîtrise de la suite Adobe, la passion pour la photographie, des connaissances en référencement, parfaite maîtrise rédactionnelle aussi en français, anglais, allemand, toutes les langues, maîtrise des campagnes publicitaires avec le business manager, capacité en data analyse. Mais je suis désolée de vous l'apprendre, c'est vraiment des profils qui sont super rares, voire inexistants, parce qu'en fait, c'est vraiment des métiers différents. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que les entreprises veulent internaliser la chose et puis c'est difficile de trouver des personnes qui font et du graphisme, et de la photo, et de la vidéo, et de la gestion de projet. Donc voilà, il y a des gens, mais être spécialisé en tout, ce n'est pas toujours possible. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est que toutes les entreprises sont sur les réseaux sociaux, ils nous font un compte Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors oui et non. Parce que quand on voit là l'exemple du tableau périodique des éléments digitaux, il y a vraiment tout un écosystème. Donc, c'est très difficile de tout avoir. Et puis, il n'y a pas tout qui est adapté, en fait. Donc, c'est très important que vos réseaux sociaux correspondent à votre business. Là, quelques petits exemples d'entreprises, finalement, de la région. Donc, on a par exemple la brasserie Les Trois Rois, qui, eux, ont un site web et une page Facebook. Et c'est une brasserie qui fonctionne très, très bien. Dans la restauration, toujours, on a par exemple le Pointu à Lausanne, qui a un site web, une page Facebook, une page Instagram, où tout est très beau, inspirant, donne envie. On a dans tout ce qui est plutôt comptabilité, finance, où là, donc site web toujours, parce que finalement, c'est quand même la base. Un compte LinkedIn qui se prête peut-être mieux à ce genre d'entreprise. Et puis, un compte Instagram parce que, voilà, c'est comme je l'ai dit avant, c'est vraiment le réseau qui est en cote ces dernières années. Et puis là, plutôt quelque chose dans l'artisanal, fleuriste, donc un site web, Facebook parce que, de nouveau, c'est un des premiers, c'est le premier réseau. Et puis, Instagram, où on voit qu'ils font des collaborations avec des photographes pour vraiment mettre en valeur tous leurs produits. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est les réseaux sociaux, c'est pas rocket science. Et en plus, on n'a pas le budget, on peut le faire nous-mêmes. De nouveau, oui et non. Alors, d'après moi, il y a vraiment trois options qui s'offrent à vous. La première, c'est que vous avez une personne à l'interne qui maîtrise ce domaine et qui a un profil créatif. Ou vous pouvez embaucher une personne pour se charger de vos réseaux sociaux. Ou alors, vous pouvez aussi externaliser. Et puis, selon moi, il vaut mieux ne rien faire que de faire à moitié ou de le faire mal. Parce que
C'est vrai que ça prend quand même du temps. On pense que c'est facile de publier une publication comme ça chaque semaine, mais ça prend quand même du temps. Il faut s'investir et puis c'est toute une stratégie qu'il faut quand même mettre en place. Et puis gérer et entretenir des réseaux sociaux représente un budget. Je vais vous en parler après, mais ce n'est pas uniquement les budgets des ressources, mais il y a aussi un budget sponsoring. Enfin voilà, il faut quand même prendre plusieurs choses en compte. Donc, les différents éléments à définir si vous internalisez la gestion des réseaux sociaux, c'est que la première chose, il faut trouver là où les ressources humaines en charge du projet. Donc, une personne qui va vous gérer de A à Z et voir si cette personne peut gérer aussi le graphisme ou pas, mais qui va s'occuper vraiment d'alimenter ces réseaux de manière régulière. Il faut aussi du matériel pour gérer les réseaux sociaux. Je vous ai dressé une petite liste après. Il y a un budget publicitaire, comme je l'ai dit. Et puis, il y a certainement, si vous internalisez, il va falloir externaliser une partie du travail. Par exemple, la vidéo, la photo, parce que, comme j'ai dit avant, essayer de faire tout soi-même, c'est vite compliqué. On a meilleur temps, des fois, voilà, décrocher un petit budget et puis d'externaliser pour être sûr d'avoir quelque chose qui est vraiment professionnel pour vos réseaux, pour votre site internet. Puis, si vous externalisez toute la gestion, ça, c'est les différentes choses que vous allez devoir voir avec la personne ou l'agence. Donc, c'est la fréquence de publication par semaine, par mois. Quel réseau vous voulez utiliser? Le type de publication que vous souhaiteriez faire? Les langues, parce que ça aussi, ça dépend. Si vous voulez communiquer uniquement en une langue, en deux ou trois, ben voilà, ça va aussi changer finalement le prix et la manière de communiquer. Et puis de nouveau, le budget publicitaire. Après, si vous externalisez, la personne ou l'agence va justement travailler, vous challenger sur ces points-là. Mais si vous internalisez, vous gardez ça à l'interne, ça c'est toutes des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Maintenant, quelques petits tips and tricks pour l'utilisation des réseaux et puis la stratégie. Donc, pour commencer effectivement par rapport à la stratégie. Les questions à se poser en premier lieu, c'est quelle est votre public cible, qui sont vos personas. Il y a certaines personnes qui travaillent avec public cible et d'autres des personas, donc là c'est un peu plus élaboré. Sur quel réseau se trouve-t-il? Parce que, comme dit au début, il n'y a pas tous les réseaux qui sont pour tous les types de personnes. On aura peut-être sur Facebook des personnes plus, je dirais, entre 35 et 65 ans, sur Instagram plutôt jeune, après on a encore Snapchat. Où là c'est plutôt 16, 16, 20, 25. Donc voilà, c'est LinkedIn, le réseau professionnel. Donc il faut toujours bien se poser cette question. Ensuite, quel est l'objectif d'être sur les réseaux sociaux pour votre entreprise? Bien savoir pourquoi vous le faites, parce que c'est quand même un investissement en termes de temps et d'argent. Donc bien définir pourquoi vous voulez des réseaux sociaux. Ensuite, quel est le budget que vous pouvez y allouer? Et puis après, quelle ligne vous souhaitez suivre, le message, l'image de votre entreprise, ça, c'est toutes des choses à définir en amont. Ensuite, les étapes à entreprendre. Donc, la première chose, c'est trouver la personne ou l'agence, que ce soit à l'interne ou à l'externe, de créer la stratégie de contenu, mettre en place les différents outils, déjà créer les réseaux sociaux si vous ne les avez pas encore. Les outils informatiques, il y a divers outils qu'il faut, et puis la veille, typiquement, voilà, il faut être derrière les réseaux, il faut contrôler s'il y a eu des commentaires, s'il y a eu des choses, voilà, il faut pas juste publier et puis laisser aller, puis créer le calendrier éditorial avec là justement la cadence, le type de publication. Donc pour la stratégie de contenu, la première chose, c'est définir vos clusters. Donc les clusters, c'est disons, les familles de publications que vous pouvez faire et puis vous définissez ces familles et ensuite vous pouvez les développer. Donc par exemple, on a le recrutement plusieurs fois par année si vous avez besoin de recruter. Vous faites une sorte de canevas type pour le recrutement et puis vous définissez à quelle cadence vous avez besoin de recruter. Vous utilisez toujours un peu le même wording, les mêmes images. Par exemple, les faits et chiffres ou les archives. Voilà, après archives, vous avez certainement plusieurs photos. Donc, c'est dire, je ne sais pas, une fois par mois ou tous les 2 mois, on publie une archive avec un petit explicatif. Donc, voilà, il y a vraiment tout un univers de thèmes qu'on peut aborder. Les articles de blog aussi, curation de contenu. Donc, c'est chercher des informations qui proviennent d'autres sites, sites internet, par exemple, des articles de journaux.
que vous publiez sur vos pages. On peut aussi faire appel à des influenceurs pour certaines campagnes précises selon ce que vous avez. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses, des concours. Il faut vraiment varier pour ne pas ennuyer en fait la personne qui vous suit sur les réseaux. Il faut définir aussi le type de contenu par réseau. Effectivement, il n'y a pas que la photo qui existe ou les images fixes. Il y a de la vidéo, du motion, des gifs. C'est différentes choses justement qui vont faire que c'est pas ennuyant de venir sur vos pages. Et c'est important de varier, surtout aujourd'hui. Ce qui attire l'œil des gens, c'est surtout ce qui est animé. Donc, c'est très important si vous pouvez de faire plutôt des publications qui sont animées. La cadence de publication, ça ne sert à rien de vouloir publier quelque chose tous les jours. Je dirais au minimum une publication par semaine, c'est déjà bien. Les stories, peut-être un petit peu plus fréquemment. Et surtout avec l'algorithme aujourd'hui, c'est compliqué parce que les gens regardent typiquement sur Instagram plutôt les stories. Donc, vous pouvez repartager votre publication en stories. Et puis, vous avez meilleur temps justement d'allouer un budget publicitaire pour booster un peu les publications que d'en faire trop régulièrement. Elles seront de toute façon noyées par l'algorithme et pas vues. Et voilà, c'est de nouveau du travail. Donc, une bonne publication par semaine, par réseau, c'est déjà pas mal. Le budget pub, alors on m'a souvent demandé quel budget il faudrait avoir. Je dirais que ça dépend de la taille de votre entreprise, déjà du budget que vous pouvez allouer. Ça dépend vraiment de votre business. Je dirais que si vous avez un budget annuel de 1000 francs, c'est peut-être pas suffisant. Justement, avec le nouvel algorithme, c'est plus compliqué parce que les publications qui ne sont pas boostées, sponsorisées, sont quasiment pas vues. Donc, je ne peux pas vous dire un montant minimum ou un montant maximum. C'est à vous de voir par mois combien vous pouvez plus ou moins mettre ou selon le nombre de publications, par publication, quel budget vous pouvez allouer. Mais je dirais qu'entre 5 et 10 000 par année, on peut déjà commencer à tester un petit peu. Puis l'idée, c'est justement de tester le budget, de regarder et puis de pouvoir augmenter si nécessaire. Ça ne sert à rien de mettre sur une publication tout d'un coup 5000 francs et puis de mettre tout le budget là-dessus. Vaut mieux un petit peu tester et de voir les retombées. Il faut aussi savoir si vous voulez faire des campagnes. Donc, on a d'un côté tout ce qui est publications qui sont visibles sur le mur des réseaux sociaux et des campagnes qui sont non visibles. C'est vraiment, ça se fait au travers du Business Manager, il y a aussi sur LinkedIn. En fait, sur tous les réseaux, vous pouvez faire des campagnes publicitaires et ça vous permet de cibler plus précisément, par exemple, le lieu, l'âge des gens, l'intérêt, sur quelle durée vous allouez un budget. Et puis, ça vous permet surtout de mettre un call to action. Donc, c'est ces petits liens en dessous des publications. Par exemple, on clique « en savoir plus » ou « postuler » ou « acheter ». Et puis, c'est cliquable et on arrive directement sur le lien que vous souhaitez mettre. Puis après, derrière, ça permet de faire du remarketing. Donc, ça veut dire de recibler avec un deuxième message, si nécessaire, les personnes qui ont vu le premier message. Et puis, d'analyser surtout les résultats en profondeur, en fait. C'est la chose qui permet d'avoir le plus de résultats, les campagnes publicitaires. Ce qui est important pour les campagnes, par contre, c'est que si vous faites des choses animées, ce qui est d'ailleurs conseillé, c'est maximum des vidéos de 15 secondes. Plus, ça ne sert à rien. Les gens ne regardent pas. Ils n'y prêtent pas attention parce qu'ils scrollent. Et puis, si ça dure trop longtemps, qu'il n'y a pas eu de message, qu'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas regarder plus loin. Donc, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, Facebook ne prend pas bien en compte les vidéos qui durent plus longtemps que ça. Favoriser justement les vidéos et animations parce que c'est ce qui accroche l'œil quand on scrolle, de se dire « Ah, il y a quelque chose qui a bougé, on a envie d'en savoir plus. » Et puis le call to action, mettre un lien, c'est toujours plus utile que ce soit un lien sur une postulation, sur un site, sur quelque chose d'un endroit pour acheter ou juste votre site web ou un blog. C'est égal, mais toujours mettre un lien parce que ça vous permet de retracer et justement de voir combien de personnes ont cliqué dessus. Les campagnes, ça permet de mesurer du coup la couverture et les impressions, donc les personnes qui ont été touchées une fois ou au total, donc une ou plusieurs fois.
le nombre de clics sur le lien ou sur l'image, et puis les vues vidéo dans le cas d'une vidéo. Donc, c'est vraiment très précis. Et puis, aussi, vos paramètres UTM. Tu veux en parler peut-être? Oui, alors les paramètres UTM, c'est moi qui en avais absolument parlé une fois autour d'un café avec Karen. C'est un petit code qui s'ajoute dans l'URL que vous placez si c'est un blog post que vous partagez, qui s'ajoute dans l'URL de votre site web, qui vous permet ensuite dans Google Analytics de savoir combien de trafic vous avez acquis via les réseaux sociaux, via cette campagne en particulier. Donc, en gros, ça vous permet de savoir ensuite, d'estimer sur tout le trafic que vous avez acquis sur votre site web, qu'est-ce qui vient vraiment de la campagne, et après, d'un point de vue plus général, qu'est-ce qui vient vraiment de votre investissement dans les réseaux sociaux. Du coup, je pense que c'est bien de pouvoir ajouter ça si vous avez des questions. Je vois que quelqu'un a déjà partagé ce lien. C'est un lien que vous pouvez utiliser et qui vous permettra d'ajouter ces paramètres UTM automatiquement. C'est vraiment très simple. Il suffit de quelques minutes. Vous utilisez ce lien. Vous ajoutez vos paramètres UTM au lien que vous souhaitez partager dans une campagne, par exemple. Et ensuite, tadam ! Dans Google Analytics, vous avez tous les résultats. Ensuite, vous pouvez vous dire, ah ok, j'ai investi tant d'argent dans Facebook ou dans cette campagne. Combien de personnes sont venues via cette campagne sur mon site web? Et si c'est un site e-commerce, par exemple, combien est-ce que ces gens ont dépensé? Donc, ça permet un peu de faire le ratio investissement et retour. Merci. Quelques conseils. Donc, créer du contenu de qualité. Et différent par réseau. L'idée, ce n'est pas de publier exactement le même contenu sur chacun de vos réseaux. Si, par exemple, vous parlez, je ne sais pas, l'exemple de premier secours, vous faites une vidéo, ben, vous la mettez peut-être sur Facebook, sur Instagram dans le feed, ou en story, il vous faut mettre autre chose, une autre information, ou quelque chose de fixe avec, par exemple, une information type pour les premiers secours. Voilà, il faut un petit peu varier le contenu et l'information pour ne pas ennuyer vos interlocuteurs. En fait, les personnes qui vous suivent, quitte à créer un contenu qui va être publié la semaine prochaine sur Facebook et vous choisissez un tout autre sujet pour Instagram ou pour LinkedIn et puis vous utiliserez le sujet de Facebook plus tard sur les autres réseaux. Ne vous contenez pas à un seul style au risque de vous retrouver bloqué. Donc, il y a l'exemple du triptyque sur Instagram. Donc, c'est trois images qui se suivent et puis qui ont un lien entre elles, que ce soit par couleur ou que, disons, que l'image se poursuit dans celle d'après. C'est très compliqué parce qu'il faut toujours être à jour et puis ça veut dire toujours tenir en fait ce rythme-là. Donc, vous avez meilleur temps de faire des publications qui sont indépendantes les unes des autres. À moins d'être un grand expert du triptyque, mais c'est vrai que nous, on évitait de le faire si on pouvait. Définissez aussi un filtre pour une cohérence visuelle de votre feed. Ça, c'est important, je pense, surtout pour Instagram. Il faut que le feed soit inspirant, soit visuellement beau, qu'il n'y ait pas une fois une photo qui est très vive, une autre fois plutôt avec un filtre, je ne sais pas, sépia, mais il faut que ce soit cohérent, le tout. Et puis, ce n'est pas grave si vous prenez des images avec des appareils différents, par exemple le téléphone ou l'appareil photo, mais travaillez-les de manière à ce qu'on voit qu'il y a une cohérence visuelle. Respectez une charte graphique. Je pense que ça vaut vraiment pour les réseaux sociaux et pour tout. Si vous faites des choses print aussi, des flyers, il faut qu'on reconnaisse en fait votre entreprise sur votre site web aussi. Il faut qu'on aille en un coup d'œil, on se dise « Ah, c'est telle entreprise !» On reconnaît au logo, à la typographie, aux couleurs. C'est très important de ne pas partir dans tous les sens visuellement. Comme je l'ai déjà dit, donc pas besoin de publier du contenu tous les jours. Je pense que ça n'a aucune valeur ajoutée, si ce n'est beaucoup de travail. Ayez aussi une cohérence entre votre site web et vos réseaux sociaux. De nouveau,
UTM. Donc, que ce soit visuellement ou qu'il y ait voilà, les liens qui fonctionnent, en fait. Si, par exemple, vous mentionnez vos réseaux sociaux sur votre site web, faites attention que ça fonctionne vraiment. Je pense que vous avez meilleur temps d'avoir un site web qui est aussi très simple, plutôt orienté utilisateur, où on trouve facilement l'information, et puis d'avoir une page unique à la limite, que d'avoir des choses qui soient trop compliquées. Utilisez aussi les bons formats sur chaque réseau social. Chaque réseau a ses formats qui sont adaptés. Vous trouvez ça sur Internet si jamais, si vous recherchez les formats par réseau, ça vous donne des informations. Ils changent de temps en temps, donc il faut tester. Des fois, ça ne les prend pas en compte ou ce n'est pas top top. Donc, il faut juste réadapter. Le carré fonctionne partout. Ce qui est horizontal se voit quand même de moins en moins, à part pour le partage de liens. Et puis, le vertical est de plus en plus utilisé parce que c'est formaté pour nos téléphones portables. Et puis, story aussi, faites attention de si vous prenez une photo que vous voulez partager en story, prenez-la déjà du format vertical, c'est beaucoup plus simple. Et puis, travaillez le wording. C'est aussi quelque chose qui est important, qu'au-dessus de vos publications ou en dessous sur Instagram, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que soyez un petit peu travaillé. Essayez de commencer vos phrases par un verbe. Par exemple, utiliser cette nouvelle application. Enfin, voilà, d'inciter et puis faites des choses, des mots très simples, des petites phrases. Ça n'a pas besoin d'être très long, à moins qu'il y ait quelque chose vraiment d'important à expliquer, mais c'est important de travailler aussi le wording. Par rapport aux outils, alors pour ma part, j'utilise un calendrier éditorial tout bête, en Excel, avec vraiment les informations suivantes, où je peux décider quel jour je mets quoi. Donc le sujet, je note ce que j'ai envie, je mets le texte, la traduction si nécessaire, ou j'adapte les colonnes si je veux quelque chose pour Facebook, Instagram, LinkedIn, si ça va différer. Après, on peut mettre le budget. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est très simple. Et l'avantage, c'est que si vous travaillez, par exemple, avec un client, comme j'étais en agence, on pouvait le partager en ligne avec nos clients, ce qui permettait pour eux d'aller voir et puis de corriger ou de dire non, ça ne va pas. C'était plus simple que d'envoyer chaque fois de copier-coller, je ne sais pas, sur un fichier Word ou dans un PowerPoint pour leur envoyer avec les images. Donc voilà, il y a d'autres solutions. Mais ça, c'est une solution en tout cas qui convient et qui n'est pas très compliquée. Pour ce qui est de planification et suivi statistique, donc il y a le Business Manager Facebook qui vaut pour Facebook et Instagram. Ça vous permet de faire les campagnes et du coup d'avoir le côté suivi statistique parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais sur tous les réseaux, vous pouvez booster votre publication directement sur les pages, mais évitez de le faire. Vous avez meilleur temps d'aller justement dans le Business Manager. Vous pouvez mettre votre budget, votre public cible, toutes ces choses-là. Et puis, vous allez rechercher la publication qui a été publiée sur votre mur. Et puis, ça permet de nouveau de mettre le lien call to action et d'avoir tout un suivi statistique là-dessus. Et ça permet aussi justement de faire toutes les campagnes publicitaires. Après, il y a le Creator Studio que personnellement, j'utilise pour Instagram où on peut planifier justement les publications et c'est gratuit. Et puis, directement sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez planifier. Et puis, ce qui est très pratique, de pouvoir planifier les publications au lieu de devoir toujours publier le tout directement. Pour toujours planification, puis le suivi. Hootsuite permet de planifier typiquement pour LinkedIn parce qu'il n'y a pas tous les outils qui font. On peut aussi faire de la veille concurrentielle là-dessus, donc mettre en place des filtres, typiquement des concurrents et voir ce qui se fait. Si par exemple, j'ai eu le cas dans les campagnes politiques, il faut suivre ce que font les adversaires. Donc ça permet d'avoir un peu une vision, ou s'il y a des commentaires, des retweets, enfin des tweets, des choses comme ça. C'est un outil qui est pas mal, donc qui permet de planifier et aussi suivi statistique. Social Bakers, ce qui est vraiment le top, enfin qu'on utilisait, qui par contre est payant au-dessus aussi d'ailleurs. Social Bakers, on peut aussi pour tous les réseaux planifier et qui nous sort des rapports statistiques qui sont très pratiques justement quand on doit faire des comptes rendus aux clients, où il y a des graphiques qui sont déjà visuellement sympas.
Puis on peut choisir par mois, par année. Enfin voilà, ça c'est un outil qui est très bien. Et puis IconoSquare qui est pour planification d'Instagram. Après, il y en a tout plein d'autres. Vous en trouvez plein sur Internet si vous recherchez. Il faut juste trouver celui qui, ce qui vous convient en fait le mieux parmi tous ces outils. Pour la création de contenu visuel, bah, évidemment, il y a la suite Adobe qui est payante et il faut maîtriser l'outil. Il y a Canva qui est pas mal et même validé par certains graphistes qui permet de faire des petites choses toutes simples pour des gens qui ne sont pas du tout du domaine, que personnellement j'utilise aussi. C'est fait vraiment de clics, il y a des éléments d'inspiration, donc on peut déjà utiliser certaines choses, changer le texte ou mettre une image différente. Donc c'est vraiment pas mal comme outil. Il y a une version gratuite et une version payante à 10 francs par mois, donc c'est abordable. Il y a Lightroom pour la retouche d'image et la même chose que VSCO que personnellement je n'ai jamais trop utilisé parce que j'avais justement des graphistes, mais je sais que ça s'utilise. Et puis sinon sur Instagram, vous pouvez directement mettre des filtres, que ce soit en story. Maintenant il y a de plus en plus de filtres qui ont été créés, que vous pouvez enregistrer. Et puis dans les publications, vous pouvez aussi jouer avec les filtres ou sur les téléphones. Maintenant vous pouvez aussi retravailler les images. Puis d'autres outils que je trouvais utiles à partager, il y a WeTransfer pour le transfert de fichiers, qui est très pratique. Slack pour tout ce qui est chat. Et maintenant, il y a aussi Teams, qui est très utilisé, qui permet au lieu de toujours se faire des mails, de pouvoir chatter si on a une question. Si voilà, on veut envoyer juste un visuel, un texte, donc très pratique. Trello, qui est plutôt un outil de, disons, un peu de planification, de checklist, des choses à faire. On peut aussi très bien créer nos publications là-dedans. Enfin, j'entends créer le texte, le thème, insérer l'image, et puis on peut le partager avec d'autres gens, et dont des clients par exemple. Donc, très bien aussi comme outil. Il y a WeDo, qui est, j'en ai entendu parler récemment, encore jamais utilisé, mais qui est aussi un peu dans le même genre. On peut attribuer aussi des tâches aux autres, donc ce qui peut être bien si on a besoin d'une information, de faire valider quelque chose. Et puis, il y a Bitly, qui permet de raccourcir les liens. Parce que si vous voulez publier un lien dans un texte, mettez un lien raccourci que vous pouvez justement raccourcir au travers de cet outil. Et de nouveau, il y en a d'autres. Mais ça ne sert à rien de mettre des longs liens. Vous avez meilleur temps de faire quelque chose de plus concis. Alors du coup, en conclusion, deux questions que Isaline m'avait posées. Donc la première, de quelle manière les réseaux sociaux vont-ils me permettre de vendre mon produit, mon service ? Donc évidemment, avec les réseaux sociaux, on ne peut pas garantir un résultat, mais vous allez de toute façon augmenter votre communication et votre visibilité. Et puis en créant des campagnes publicitaires, en boostant justement vos publications, vous pourrez mesurer les retombées et puis retracer la visibilité et surtout le nombre de clics avec le lien call to action. Enfin voilà, c'est un tout qui vous permet de toute façon de gagner en visibilité. Et puis, il y a quand même des choses que vous pouvez mesurer, savoir si c'est utile de continuer ou pas, si vous arrêtez un réseau ou que vous en ajoutez un autre. Enfin voilà, c'est ce qui est sympa avec les réseaux sociaux, c'est que c'est vite créé et puis on peut aussi arrêter si nécessaire. Et puis, pourquoi investir dans les réseaux sociaux plutôt qu'une autre activité marketing ? Alors, premièrement, c'est accessible parce que ça ne coûte rien pour les créer. C'est moins cher que les autres outils publicitaires. Si vous faites, par exemple, des spots publicitaires à la télé, à la radio, dans les journaux, c'est quelque chose qui est super cher. Alors qu'avec ce montant, vous pourriez faire beaucoup plus de campagnes publicitaires qui sont quand même moins onéreuses que ces autres outils. Et puis, il s'agit d'un acteur de communication supplémentaire, augmentation de la visibilité de nouveau. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions, vous pouvez les poser au travers du chat, on essaiera d'y répondre. Et puis sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un email, vous avez mon email, mon numéro de téléphone si vous souhaitez me contacter, s'il y a d'autres choses, voilà, d'autres informations que vous souhaitez. J'essaie de faire quelque chose d'un peu concis, il n'y a pas tous les outils, toutes les tips and tricks, mais voilà, on pourrait faire je pense une dizaine de présentations sur les réseaux sociaux pour tout couvrir le champ. Donc, j'espère que ça vous a été quand même utile. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Karen. C'était super. D'ailleurs, j'ai encore un peu de quoi si tu veux. Alors, je donne un peu d'eau à Karen qui a beaucoup parlé et je quitte le mode plein écran de la présentation pour pouvoir aller voir vos questions. Alors, donc comme je vous le disais, si vous je ne sais pas où vous avez vu cet événement, mais si vous m'avez suivi sur LinkedIn, vous avez vu que je vous disais que Karen avait certainement posé plus de questions, posté plus de posts Facebook et Instagram que vous et moi réunis. Donc, c'est tout à fait vrai, sûrement, en tout cas pour moi. Donc, si vous avez des questions, vraiment, c'est le moment parce qu'elle saura quoi vous dire. Alors, et là, je vois qu'on a des merci. Ah, merci pour les merci, ça fait toujours plaisir. Et je vois qu'on a déjà des questions. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat, s'il fallait choisir un réseau pour se concentrer pour une marque tout public en Suisse, on choisirait quel réseau ? Tout public, c'est jamais vraiment tout c'est public, ça. Franchement, hein. J'y crois pas. Je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, en fait, ça dépend toujours du business, enfin de votre entreprise, dans quoi vous êtes actif. Parce que, comme j'ai montré dans les exemples, si c'est plutôt finance, il y aura besoin de LinkedIn. Si c'est plutôt quelque chose de créatif, peut-être moins LinkedIn. Donc, je dirais que de toute façon, aujourd'hui, vraiment, ce qui fonctionne assez bien, c'est quand même Instagram. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur Instagram et ça permet de publier des choses qui sont jolies, de donner des informations. On peut être beaucoup plus spontané, surtout avec les stories, de faire une rapide story, que ce soit de la vie en entreprise, que ce soit pour promouvoir un produit. On peut faire des campagnes. Donc, je pense que je choisirais Instagram à tous les coups. Ça fonctionne, je pense, pour, je dirais, 80% à 90% des entreprises. Ouais, pour compléter, moi, je dirais, ça dépend si vous faites du B2B ou du B2C. Par exemple, moi qui vends du service SEO, je fais du B2B. Et du coup, je vais plutôt utiliser LinkedIn parce que je cherche les gens quand ils sont dans le cadre de leur travail. Par contre, un restaurant ou un fleuriste qui fait plutôt du B2C, cherchera les gens peut-être sur un réseau qui n'est pas un réseau professionnel parce qu'on va chercher des fleurs ou manger ce soir à un moment où on est plutôt sur un réseau privé, donc plutôt sur Instagram. Mais de nouveau, ça c'est un peu, ça dépend où sont les gens, où est votre public en fait, qu'est-ce que vous faites. Ah ah, je vois quelqu'un qui nous dit et Pinterest. Et Pinterest. Alors, Pinterest, personnellement, je l'utilise pour m'inspirer, plutôt pour faire des mood boards d'inspiration. Mais sinon, c'est vrai que je ne l'utilise pas trop à des fins professionnelles. Je ne l'ai jamais en tout cas utilisé pour mes clients, parce que ça ne s'y prêtait pas trop. Après, de nouveau, je pense que typiquement, tout ce qui est plutôt créatif, comme on disait, fleuriste, peut-être pourquoi pas faire un compte Pinterest, ça peut être intéressant, oui. Et je pense aussi, un super bon plan, c'est de voir qu'est-ce que font les autres fleuristes. Par exemple, regardez ce que font les autres et qu'est-ce qu'ils font que vous aimez. Par exemple, je sais que Florilège à Lausanne, elle est sur Instagram, elle fait des super jolies publications. Donc, je pense que si j'étais fleuriste, j'essaierais de faire un peu la même chose. C'est vrai, on dit toujours qu'il ne faut pas faire la même chose que ses concurrents. Mais ça reste quand même des bons outils d'inspiration, c'est de voir ce que font les concurrents directs. Pour en fait justement s'en inspirer et puis faire quelque chose de mieux ou plus ou moins pareil mais pas la même chose non plus pour pas avoir de problème, mais c'est quand même toujours intéressant. Ou aller voir quelqu'un dans le même domaine mais dans un autre pays par exemple. Exactement. Aller voir oui. Des fleuristes au Royaume-Uni ou des fleuristes à Amsterdam pour juste voir qu'est-ce qu'ils publient et qu'est-ce qui peut vous donner envie de faire pareil. Je vois quelqu'un qui pose dans le Q&A. Vous aimeriez bien revoir le tableau des réseaux sociaux et donc tu disais le tableau périodique
ou le tableau calendrier éditorial? Non, je pense que c'était le tableau périodique. Alors, pour ça, si tu as une question précise maintenant à laquelle Karen peut répondre, pose-la. Sinon, si c'est juste pour le revoir, t'inquiète pas parce qu'on va partager les slides après. Donc, peut-être pas dans la minute qui suit le webinaire, mais genre demain, je vais vous envoyer tout ça. Donc, tu pourras sans autre regarder encore à la maison. Et je vois encore quelqu'un qui pose une question au sujet de Meetup. Les posts sur Meetup sont payants. Est-ce que c'est un réseau intéressant en Suisse romande? Je ne sais pas si on peut faire des posts sur Meetup. Sur Meetup, alors moi, j'ai le groupe, ben forcément le groupe avec lequel vous nous regardez maintenant. Donc, effectivement, il y a une... comment ça s'appelle? Un abonnement. Je crois qu'on paye 2 fois par année, je ne sais plus, $40, quelque chose comme ça. Et donc, je dirais que ça dépend. Une activité culturelle, je pense que Meetup, ça fait du sens si tu aimerais rentrer en contact avec des gens, si tu as une sorte d'événement périodique, tu vois. Si tu as quelque chose qui revient tous les mois ou tous les 2 mois. Moi, je vois beaucoup de gens, je sais, sur Meetup, je ne suis pas sûre d'avoir vu beaucoup de gens dans la culture, mais en fait, pourquoi pas. Mais j'ai vu beaucoup de gens un peu dans le sport, le yoga, dans les langages, pour les échanges de langues. Je pense que si c'est une activité qui est récurrente, ça vaut la peine. Mais de nouveau, à voir si c'est ce public-là que tu veux trouver. J'ai l'impression que sur Meetup, tu vas trouver plutôt des gens, en général, qui travaillent dans un bureau ou devant un ordinateur. Parce que j'ai remarqué que... ben, mes amis qui ne travaillent pas devant un ordinateur et qui ne sont pas trop dans le domaine digital, ils ne sont pas tellement au courant de Meetup, qu'est-ce que c'est cette plateforme. Donc, peut-être que ce sera bien, mais pas suffisant, qu'il faudra peut-être compléter avec Instagram, à mon avis, où tu peux faire peut-être des lives pour montrer qu'est-ce qui se passe pendant cette activité culturelle et dire... je pense que le plus on montre aux gens qu'est-ce que ça signifie vraiment, le plus après ça leur donnera envie de participer. Mais je ne sais pas quel est ton avis. Je pense qu'il faut mélanger les réseaux sociaux, c'est pas mal. De ne pas rester seulement sur un seul. Il faut donner des informations à plusieurs endroits parce que les gens ne vont pas chercher de la même manière les informations. Comme si, par exemple, les gens vont taper de toute façon sur Google... s'ils ont une question, il faut aussi être référencé correctement si on trouve votre... non, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Google My Business. Oui, c'est ça. Oui. Que là, si vous n'avez pas, par exemple, un bon site web, mettez le lien sur vos réseaux sociaux ou sur un autre endroit où vous donnez des informations. Je pense que c'est un tout, en fait, qui doit être cohérent. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Profitez, on est encore là quelques minutes et vous avez une spécialiste sous la main, alors ça vaut la peine. non, rien de plus. On a répondu à tout. Oui, je crois qu'on a répondu à tout. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Comme disait Karen, si vous avez encore des questions qui vous viennent après la présentation, on peut peut-être, si tu es d'accord, partager dans le chat ton adresse email. Oui. Comme ça, si jamais vous avez des questions, vous pouvez sans autre lui écrire. Attends. Elle y est, c'est jamais dans la présentation. Ah oui, c'est juste, elle est dans la présentation. Hop, je vais copier-coller ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou alors, vous pouvez aussi écrire dans le groupe et je transférerai les questions à Karen. Sinon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on se reverra en personne. J'évalue 2 semaines en semaine. Donc,
on va dire pour la fin de l'année, on va encore faire en tout cas une fois en live. Et puis peut-être qu'en janvier, le froid tue les microbes, je ne sais pas. Non. Enfin, peut-être qu'en janvier, on se reverra. Mais sinon, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, si vous avez des questions aussi sur d'autres sujets, écrivez-moi. Comme ça, je peux chercher des orateurs et des oratrices par rapport au sujet qui vous intéresse. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.